ça me gêne quand ça me déglingue le ciboulot. J'incarne plusieurs personnages, mais je le fais pas exprès. Des fois, c'est dommage, hein. Des fois, ça me fait marrer. Je vous explique vite fait, dans ma tête, on est trois. Mais comme on est un peu teubé, on n'est pas les trois. D'abord, il y a Bob le bricoleur, artiste sculpteur de palettes. Ensuite, vient Bob l'éponge, et en dernier, il y a Bob's Not Dead. Bob le bricoleur est un sculpteur de palettes aux idées lumineuses, détrônant tous les architectes. Il construit des portails, il construit des barrières. Il a même retapé une malle et fait une étagère. Ensuite, il y a l'alcoolique qu'on appelle Bob l'éponge, qui s'est fait serrer par les flics. On peut pas dire que ça le ronge. Il est passé tellement de fois ivre mort devant les condés, mais il s'est dit que pour une fois, ça avait pas tort de l'arrêter. Jusqu'ils ont fait. Il y a le mythique, le fabuleux Bob's Not Dead, qui pète plus haut que son slip et qui a la grosse tête, qui fait des chansons tristes, certes pas dégueulasses, qui est un peu défaitiste, mais faut attendre que ça lui passe. J'ai arrêté ma thérapie, mais si les plus me soigner, je veux vivre dans ma folie et avec elle je vais crever. J'ai arrêté ma thérapie, j'ai si les plus me soigner, je veux